Féminité, humanité, les quatrièmes confrontations photographiques de Gex déclinent avec le talent la compréhension des émotions par l'image. 40 photographes, 600 photographies exposées et une invitée d'honneur, Sabine Weiss. L'enfant de Saint-Gingolph, ami de Robert Doisneau, Willy Ronis, Édouard Bouba, est la dernière représentante de l'école humaniste française. 60 ans de photographie au service de sa passion de l'image, une passion jamais démentie, aidée par une curiosité insatiable. Je suis très fière d'avoir beaucoup travaillé et d'avoir beaucoup aimé ce que je faisais. Même si c'est quelquefois très difficile, j'avais de l'insomnie ou alors j'avais des cauchemars. Mon mari me secouait, me disait « qu'est-ce que tu rêves encore ?» C'était toujours la photographie. Mais ce n'est pas ce que vous voyez là. Ce que vous voyez là, ce n'était pas des choses douloureuses, c'était des instantanés qui me séduisaient. Tout au long du week-end, à l'Espace Pertant, des artistes s'associeront aux photographes pour des lectures et des animations. Et une quinzaine hors les murs affirme et confirme par son rayonnement l'esprit des confrontations. Autour de Sabine Weiss, quatre jeunes femmes photographes qu'on a choisies parce qu'elles représentent quatre mondes photographiques très différents. Et puis parce qu'on avait aussi envie de faire un peu de concurrence aux grandes manifestations parisiennes de cette année. Plus modestement, on avait envie de créer quelque chose autour de Sabine Weiss. Quand je vois cette photographie avec ce clochard optimiste qui avait une poussette sur quoi il a marqué la ruée vers l'or. Il savait ce que c'était la ruée vers l'or, le film. Mais lui, il était clochard et il l'avait marqué. C'était un positif, c'est merveilleux. La photographie s'invite à Gex le temps d'un week-end. Une opportunité pour découvrir des univers photographiques sincères et sensibles, construits par le regard et destinés à offrir d'autres mondes à tous ceux qui souhaitent se laisser surprendre.